Bonjour à tous les cosmonautes, vous êtes nombreux à vous inquiéter sur l'avenir du prix des cryptos. En effet, des signaux graphiques peu encourageants font surface. On ne peut ni dire qu'on est en tendance haussière, ni sur un support. Et vous n'êtes pas tous à l'aise avec l'idée de subir une autre jambe baissière de moins 30%. Personnellement, je suis prêt à l'encaisser, parce que j'ai une vision beaucoup plus long terme que la plupart d'entre vous. Oui, parce que vous regardez les graphiques par exemple. Alors qu'un graphique avec un historique de 1 an ou 2 ans ne va pas m'aider à savoir si je dois unstake mes cryptos que je veux garder pendant 5 ans. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je fais cette vidéo parce que je veux rajouter des cordes à l'arc des cosmonautes qui unstake leur portefeuille en prévision d'un dump du marché. Même si je ne fais pas partie de cette classe de cosmonautes, j'ai une stratégie à rendement élevé et surtout delta neutral à vous proposer pour ne plus avoir à paniquer sur l'avenir du prix. Si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as à court terme dans ton portefeuille, mais que tu gardes une conviction à long terme sur les actifs que tu possèdes, alors cette vidéo est faite pour toi. Et la meilleure partie de cette stratégie, c'est qu'elle ne requiert pas que tu unbonds tes tokens, ce qui a plein d'avantages en termes de rendement et se rendre éligible au airdrop. Passons à l'explication de la stratégie. C'est une stratégie de trading qui vise à bénéficier des récompenses de stacking et des taux de financement tout en conservant aucune exposition au prix du marché sous-jacent. Cette stratégie consiste à détenir une position longue, donc à l'achat, sur un actif tout en détenant simultanément une position courte, donc vendeuse, sur la plateforme PAIR pour le même actif. Par exemple, si vous avez 100$ de position longue sur Atom en stacking ou en liquid stacking et 100$ en position short PERP sur Atom, alors vous n'êtes pas exposé à l'évolution du prix d'Atom. C'est là la beauté de cette méthode qui permet aux traders de profiter des conditions du marché tout en restant neutre en termes de prix lorsqu'il y a plus d'incertitudes. Avec le marché Levana perpétuel d'Atom et du liquid stacking de Stride, il est possible d'utiliser les taux de financement de la plateforme ainsi que ST Atom pour potentiellement obtenir un rendement élevé tout en maintenant la neutralité du marché. Le taux de financement sur Levana est la clé de cette stratégie. Lorsque l'open interest, donc le taux de financement des acheteurs, est supérieur à celui des vendeurs, le taux de financement des vendeurs devient alors négatif et le taux des acheteurs devient positif. Dans le scénario ci-dessous, cela signifie que les traders découverts reçoivent des frais pour maintenir leur position ouverte. Comme nous le voyons, les positions longues sont plus nombreuses que les positions shortes dans ce scénario. Afin de continuer à recevoir des frais de financement, nous devons nous assurer que le total de l'open interest short est légèrement inférieur à l'open interest des acheteurs. Cela signifie que nous ne devons pas ouvrir une position supérieure à ce chiffre. Gardez à l'esprit, à mesure que le montant total de l'open interest short continue de croître, les frais de financement versés aux détenteurs de positions short diminuent en conséquence. Une fois qu'on a compris comment tirer des rendements des positions short PERP, voyons ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la couverture. Comment se couvrir avec une position short? Cela vous permettra de profiter de chaque baisse d'Atom en couvrant le spot que vous détenez. Pour rendre la position neutre sur le marché, vous devez également acheter un montant de ST Atom fourni par Stride équivalent à la taille de la position short que vous avez. Par exemple, 10$ avec un effet de levier x10, équivaut à une taille de position de 100$ pour n'avoir aucune exposition au mouvement du prix d'Atom. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà probablement des Atom stakés ou des ST Atom. Il vous suffira donc juste de prendre une position short avec le levier adéquat en fonction des liquidités que vous avez à déployer sur Levana. Il nous reste donc plus qu'à passer à la gestion du risque. Même si cette stratégie peut paraître attrayante, il est fondamental de comprendre les risques qui sont associés. Les plus grands risques pour cette stratégie est la liquidation, ou la prise de profit de position short à un moment inopportun alors que vous détenez toujours le ST Atom d'équilibrage. Ce qui signifie être exposé au mouvement du prix. Ce qui signifie que l'effet de levier sur la position short ne doit pas être trop élevé, afin de réduire les risques de liquidation. Descendre jusqu'à un levier de x5 ou x2 permet moins de gestion de la position ouverte. Et l'autre risque, c'est que le taux de financement diminue, voire s'inverse, c'est-à-dire un APR négatif sur votre position short PERP. Et cela avant que la stratégie ne réalise suffisamment de bénéfices. Enfin, les frais d'emprunt constituent un coût permanent pour la position short. Ce coût peut être réduit en diminuant le curseur du prix du take profit. Il s'agit d'un compromis entre le coût et le risque réalisé des bénéfices sur la position courte. En conclusion, comme toute stratégie de trading, il est crucial de commencer petit et de limiter votre exposition au risque. Gardez un enregistrement détaillé de vos transactions et des performances de votre stratégie dans le temps. Cela vous permettra d'identifier les récurrences ou les tendances et prendre des décisions plus éclairées à l'avenir.
De plus, ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Cela peut sembler cliché, mais c'est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'une stratégie de levier et de stratégie complexe. Même si cette stratégie vous offre la possibilité de toucher des hauts rendements tout en étant neutre par rapport à la volatilité du marché, il est important de comprendre tous les mécanismes et risques avant de se lancer. Restez informés et posez toutes vos questions sur notre Discord, les cosmonautes. Personnellement, j'utilise principalement ces stratégies de couverture lorsque j'ai des données on-chain qui m'encouragent à le faire. Comme par exemple, aujourd'hui, où on a 2 millions de dollars d'osmosis qui se libèrent sur le marché dû à un unbonding. Ou alors chez Yumi. Chez Yumi, on peut voir qu'il y a un développeur de la team d'osmosis qui a failli se faire liquider plus de 2 millions de dollars. C'est des moments où je cherche à me couvrir par rapport au marché. Cela fait une semaine que je suis couvert sur Osmosis et je touche tranquillement mes rendements tout en étant neutre vis-à-vis du prix d'Osmosis qui est une grosse partie de mon portefeuille. Voilà, j'espère que vous nous rejoindrez sur notre Discord. En attendant, tradez bien, prenez soin de vous, à la prochaine.